Bonjour et bienvenue sur AL1 Balagan. Aujourd'hui, on va faire le plat préféré des opticiens. Des lentilles de corail au curry et au lait de coco. Ça va vous taper dans l'œil. Aïe! A tout de suite de la cuisine Black and White. Et tout est prêt pour notre soupe de lentilles corail au curry et au lait de coco. Alors, pour cette recette, on aura besoin de lentilles corail, de tomates concassées, d'oignons, d'huile d'olive, d'eau, de sel, de poivre, de lait de coco, de coriandre, de citron vert, de gingembre, de gousse d'ail, de piment et de curry. Non, pas de mari. Et de curry. Épices et tout. Le curry, notre dernier ingrédient. Allez, on attaque par une garniture aromatique à base notamment de gingembre. Que voulez-vous? Le gingembre produit toujours cet effet-là. Et cette garniture, elle comprendra aussi de l'ail et de l'oignon. D'ailleurs, c'est à la base de nombreux plats dans la cuisine indienne. Et on mettra toutes les épices et ça va nous faire un parfum irrésistible. Mais surtout, n'oubliez pas le gingembre. On termine maintenant la recette, et oui, vous avez vu, c'est tellement facile et tellement simple qu'on a déjà presque fini. Alors là, je vais avoir besoin, mais pourquoi je porte mes lunettes? J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de lunettes, non. J'ai besoin de lentilles. Justement, on va utiliser les lentilles maintenant pour finir notre soupe. On va bien les rincer et on va les incorporer, notamment avec notre garniture aromatique et tout ce qui est présent sur la table. Sauf mes lunettes. Ça y est, notre soupe de lentilles corail au curry et au lait de coco est prête. Et ma foi, j'ai tout de suite envie de la goûter. Regardez-moi cette belle soupe réconfortante. Elle est d'une couleur orange éclatante grâce aux lentilles corail qui la composent. Elle lui donne aussi toute une texture. Au-dessus, on a déposé une quenelle de chantilly de lait de coco. Et par-dessus, on a saupoudré de feuilles de coriandre. Mais qu'est-ce qu'on va se régaler! Allez, je vous dis à tout de suite pour le mot de la fin. Ce plat de lentilles s'inspire largement du dal indien. Il saura vous rassasier en cas de dal. Et une coûte que dalle à préparer. C'est de la balle. Allez, il est temps pour moi de me faire la malle.